Salut à tous, nous revoilà, c'est Body et Sou sur Ghost Salut, Recon. salut. Après de longs mois de repos. Ouais, j'avoue que ça fait un moment, hein. Je me souviens même plus comment on fait pour utiliser ces armes, tout ça. Ah bah écoute, on le verra, je pense qu'on va vite le réapprendre parce que là on va s'attaquer à une zone 4 Ah têtes de ouais. mort. Et du coup, bah, je te propose de lancer la petite vidéo d'intro de la Santerra. Allez. C'est parti. La Santerra, la faiseuse de saints, est una chica loca, une authentique cramée du bulbe. Avant, c'était une gentille fille, une bonne catholique, jusqu'à ce qu'elle trouve la Santa Muerte, Notre-Dame des Eaux. Et là, c'est le drame. Si El Cardenal est la lumière, le côté charitable de la Santa Muerte, elle, c'est le côté obscur de la force. La sainte à la sauce cartel, glauque et pervertie. Elle soigne à l'œil pour reconnaître les futurs pop stars. Du coup, il l'a signée sur son label, ce qui est bon pour la Santa Muerte et bon pour la Santa Blanca. Il lui a même érigé un sanctuaire en plein cœur d'Espiritu Santo. Au sein du cartel, la Santera a pour but de fidéliser. Plus les membres font leurs preuves, plus ils sont en odeur de sainteté. Tu veux que la Santa Muerte te protège des balles? Passe 200 kilos de poudre. Tu veux qu'elle te rende riche toute ta vie? Recrute 5 de tes cousins. Tu veux aller au paradis? Tu dis de nos ennemis. C'est une sorte de programme de fidélité pour les ordures. Plus tu es utile à ton cartel, plus la sainte de la mort te récompense. Ceux qui ont la foi seront récompensés. Et une chose est sûre, la Santera a vraiment la foi. Faut vraiment avoir la foi, je crois. Alors, parcours, Ouais. on va. Est-ce qu'on prend de. Bon, écoute, on va prendre une petite voiture. On va pas se faire le plein, non? Et d'ailleurs, on n'a pas un level à passer. Hey, oui, Au bien moins vu. Ouais, on a activé le mode tir la dernière fois. Eh oui, donc Tir c'était où 48. ça déjà? En haut, En tu dois mettre le social. niveau, ouais. À côté de la tête de mort. Là. C'est ça, activer niveau. Allez. 47. Commence à se corser un peu ou bon, pas tout de suite. Bah, je me souviens plus en fait comment on change la difficulté quoi. Bonus de frontières, 35%, 15% de matériel. Tu choisis pas la difficulté en mode tir, hein, elle est imposée. Oui, voilà, mais c'est par tranche de level en fait, C'est c'est la ça. même difficulté. S'il y a combien? Il y a 4 difficultés dans le jeu, je me souviens plus trop en fait. Ah, y en a tellement. Oui, il y a une IDAD. Oh, où ça? Ils arrivent en voiture. Ah. Je prends l'Intel. J'ai des infos sur un hélico logistique du cartel qui est prêt à décoller. Donc ouais, nouvelle Un zone. truc qui sortirait bien les C'est. rebelles de la merde. On est loin là du 200 mètres. Ouais, je crois qu'on peut autant. Hein. Je crois qu'il y a l'air d'avoir un peu de monde. Alors, vu que ça fait un peu longtemps, on va peut-être y aller. Mollo? Je vois pas grand monde. On dirait que le culte. Moi, il n'y a pas de mollo, je Santa suis Muerte a obligé tous d'y aller les au habitants corps à corps, recensés. comme toujours. Ouais. Personne là. En dessous. J'ai repéré un autre ennemi. Je déploie le drone. Petit coup de recours. Cinquième cible. On a la recours. Et ils sont où? Ah, il y a une telle à côté encore. Voilà. Cible abattue. Il est où l'autre? Il est encore en haut, un étage au-dessus. J'en ai eu un là-haut. Ouais, à moins qu'il soit dehors peut-être. C'est ça, il est dehors. Ah
en a un là-bas qui m'a vu vite fait. Hein. On essaye de se faire l'intel avant. C'est juste des photos. Je sais pas. Ah, il y a un intel qui se déplace. Ouais, ça a l'air d'être un mec à. À faire peur. Ouais. Ou à interroger. Ils sont derrière un mur. Je crois qu'il va se barrer. J'y suis. J'ai eu peur. Ah d'accord. Couvrir quand même. Il est où? Il est là-haut. Ok. Ok, je t'écoute, fillette. Ah, il propose des points de compétence, opération rebelle. Ok, allez. Ok. J'ai une opération rebelle. Contribuer à la propagande rebelle, ça vous parle? Parce que j'ai les coordonnées d'une station radio. Allez. Me sens un peu rouillé. Hein. Ouais, 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 mais bon, ça va venir, ça va venir. Et on va où là? C'est juste à côté là. Histoire de prendre une belle voiture, c'est ça? Ah, tiens, un convoi. C'est le convoi là en pleine ville? En pleine ville? Tu peux encore avoir le drone. Tu ne trompes pas de touche. Et bon. Au travail. Ah bon? Allez, t'es où là? On s'échappe? Bah, je suis là-haut. Putain, mais je l'ai vu pourtant, pourquoi il continue à se barrer? Bah, il continue à se barrer. Bon, bah tant pis. Bon, bah tant pis. Ah, il s'est arrêté? Non, non. J'ai cru. Ouais, bizarre. Pourtant, je l'ai vu, j'ai bien vu, quoi. Ouais. Allez, je vais prendre l'intel principal, puis il y a l'hélico à côté. Eh ben non, c'est moi. J'ai localisé les dépôts d'or de la Santa Blanca et Espiritu Santo. Apparemment, c'est leur principale source de revenus. Je me dis que ça vaut le coup d'aller voir ça de plus près. Je vote pour. J'avoue que l'hélico juste là, il est bienvenu. Hein. Ouais. Localiser la cage d'or du sud. Détruisez les cages d'or que le cartel a débloquées pour gérer la secte d'Espiritu Santo. On va mettre à l'épreuve la foi d'El Sueño en la Santera. Ça c'est marrant, j'ai un. Tu m'entends là? Ouais. J'ai un petit haut-parleur barré sur. Côté de mon. Bah moi à côté du mien. À toi à côté du tien, tu l'as aussi? Ouais. Ah, d'accord. Pour dire qu'il n'y a pas de son, justement. Ouais, qu'on a coupé le micro, je pense. Comment ça, on a coupé le micro? Bah, dans les options, on a désactivé oui. la radio. Ouais. Alors, il faut quoi? Il faut détruire. C'est pour toi, ça. Oh là, tout de suite. Détruire. Se mettre bien dans la zone. Ah, une mine. C'est ballot ça. Est-ce que la reco a repéré des ennemis numéro 3? Ah, il y en a à droite. J'ai pas. Je crois que c'est. Il faut rentrer dans une mine. On dirait une de celles du cartel. Y a aucune raison de laisser une mine d'or entre les mains d'un cartel. Alors on va fermer tout ça. Mine d'or, carrément. Je désigne une cible. Attention aux civils à côté. Bah dis donc, j'ai vraiment mal identifié. Ouais, je me fais le mec en haut. Un connard de moi. Peut-être une flash. J'en fais le ménage. Ça en fait 5. Bah ça peut être une idée. Moi je peux flasher là. Bah vas-y, moi aussi je peux flasher. Je peux peut-être flasher en même temps. Attention, vas-y.
Est-ce qu'on prend une flèche déjà, j'ai oublié. Ah bah ça c'est une bonne question. Ah bien joué. Ah c'était ça. Ah, ok. Je repère un petit groupe d'ennemis. Il y a une médaille du cartel ici. Ah, il y a un point de compétence à côté. Quelque part, qui va franchement tirer la gueule. Tu l'as vu ? Non. J'avais même pas vu. Ouais, je l'ai vu en descendant du... Avec la petite croix et tout. Ouais, y a plus personne dedans, là. Bah, il y en avait deux, là. Je les ai tués, ils avançaient vers nous. Allez, ça sent le C4. Ça sent le C4. Pas ça sent le sapin, hein, mais... Mais j'avoue, hein. Charge posée et amorcée. Pour moi, c'est pas que j'ai pas confiance, mais... je t'attends dehors. Ouais... Hein ? T'as pas fait sauter le deuxième ? Bah non. Ah, j'ai cru que ça marcherait. La charge est amorcée. Ah, t'en as mis qu'un ? Ouais. Merde, vous entrez les rendements. Il faut qu'on dégage avant de se faire enterrer vivant. Allez ! Bon, on va voir. Vous en êtes à Espiritu Santo. On sort d'un show pyrotechnique, un dépôt d'or du cartel parti en fumée. Holt s'en remet pas. Qu'il se fasse une raison et vite. L'ISA a intercepté un appel. La Santa Blanca est en train de déplacer les stocks d'or restants en lieu sûr. Va falloir les prendre de vitesse. On est sur le coup. Bon bah voilà. Regarde, hé, ils ont une caisse en lévitation ici. Ah, moi je la vois pas. Non. Ah bah si, t'as raison. T'as raison. Rien autour, hein. Retourne magie. Bon bah allez, écoute, on va s'arrêter là et puis on va enchaîner avec la deuxième mission. Ok, dans la faire le... Ça roule. Ok, allez, à tout de suite. À tout de suite.